Myzone, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors les gars, dans cette vidéo, bah c'est tout simplement la 100e vidéo que je poste sur ma chaîne YouTube. Du coup, pour cette occasion, j'ai décidé de faire une vidéo rétrospective de mes débuts sur YouTube. En fait, je vais raconter un peu comment c'était au début, quel matériel j'avais, qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer sur YouTube. Tous ces petits trucs un peu comme ça. Du coup, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner, le plus important, à mettre un pouce bleu, commenter, partager pour les meilleurs d'entre vous. Et du coup, les gars, on se retrouve directement pour la vidéo rétrospective. A tout de suite. Alors les gars, mes débuts, pourquoi j'ai voulu faire des vidéos sur YouTube? Alors, en voyant les autres youtubeurs, Michoui, Noxtag, Squeezie, mes idoles en fait, j'ai envie de dire, bah je me suis dit, si eux ils le font et ils kiffent à faire leurs vidéos, les concepts, ils sont naturels, ils font ce qu'ils veulent et en même temps ça marche sur YouTube. Du coup, je me suis dit, allez les gars, moi aussi j'ai envie de faire des concepts de vidéos où c'est moi qui choisis, que je kiffe et en même temps que les gens ils kiffent avec moi. Du coup, je me suis dit, let's go. Pourquoi pas se lancer? J'avais un petit téléphone S42. D'ailleurs, je l'ai toujours dans ma chambre. Il est encore là. C'était vraiment le pire téléphone. S42 Altis. 16 gigas, les gars. Qu'est-ce qu'on fait avec 16 gigas? Je sais même pas. J'ai réussi à faire du montage dessus, à faire mes vidéos, à faire les miniatures. Je sais même pas comment j'ai réussi, en fait. C'était 16 gigas, les gars. Vraiment, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment rien du tout. Alors, je me suis lancé avec ça. Je me suis dit, allez, on va voir si ça va marcher. Let's go. De toute façon, tout le monde a commencé avec du matériel de merde. C'est normal encore. Même toujours aujourd'hui, j'ai un matériel vraiment pas ouf. Pas ouf. Sauf pour cette vidéo où il y a mon monteur qui m'a passé ça, gentiment sa caméra. Franchement, merci à lui. C'est franchement, la qualité là, elle est magnifique. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez de la qualité. Elle est magnifique. Moi, je trouve... J'adore, j'adore. Du coup, je disais, actuellement, j'ai une PS4. Une PS4 Slim, voilà, qui date un peu quand même. C'est un peu moyen, mais vas-y, je peux quand même rec mon écran. Du coup, ça va. J'ai ensuite une petite télé, bah, ça sert d'écran. Et j'ai mon micro casque. C'est avec ça que je fais le son de mes vidéos. Du coup, quand je fais en jeu, je branche et c'est le micro que vous entendez là, c'est mon micro casque. Et je filme avec un autre téléphone maintenant. J'ai changé de téléphone entre temps maintenant. Je suis sur un Samsung A13. Il a 64 Go. C'est un peu mieux que le Altis S42 X16. Du coup, franchement, là je pense que je peux commencer à faire des vidéos plutôt quali. Bien sûr, mon monteur, c'est lui qui fait le montage maintenant. Je vous avais pas dit, mais maintenant j'ai un monteur du coup. Franchement, c'est très, c'est vraiment mieux de l'avoir. Parce que moi, mon montage, je le faisais sur téléphone, sur mon petit téléphone. Et franchement, c'est galère de ouf. Franchement, là, je trouve c'est plus qualitatif. C'est tout simplement mieux, quoi. Il n'y a pas à dire, c'est mieux. Du coup, j'ai commencé à faire des vidéos comme ça. Maintenant, ce qui me motive, en vrai, à faire des vidéos, c'est, je me dis, quand je regarde les anciens youtubeurs, enfin, les anciens youtubeurs, les youtubeurs actuels, mais... à leur début, je me dis, allez, ils étaient comme moi, innocents, aucun matériel. Et pourtant, ils ont quand même réussi. Moi, je me dis, pourquoi pas faire la même chose? Et c'est vrai que des fois, quand je suis démotivée, car c'est vrai que des fois, mes vidéos, elles ne font pas les vues que je veux, tout simplement, je regarde eux comment ils étaient avant. Et je me dis, allez, je vais tout simplement réussir, les gars. Je vais réussir. Et... vous aussi, vous pouvez le faire, franchement, avec un petit téléphone, vous pouvez commencer. C'est accessible à tout le monde, j'ai envie de dire, en fait, les gars. Et maintenant, je vais vous dire un peu mes projets, les projets que j'ai pour les autres années, dans quelques mois aussi. Alors, tout simplement, normalement, en septembre, voire octobre, je vais pouvoir m'acheter mon premier PC gamer. Là, la qualité... elle va tellement changer, les gars. Je pourrais faire moi aussi mes montages sur mon PC, les miniatures. Je pourrais m'acheter une caméra peut-être par la suite. Mais ça, pour l'instant, on va plutôt se concentrer sur les PC. Du coup, je vais peut-être m'acheter un PC. J'ai décidé de prendre un i5 13400F. C'est pas encore sûr, mais je vous dis à peu près ce que j'aimerais prendre. Un bon processeur pour stream, une bonne carte graphique pour avoir... de bons visuels. Ça, ce sera magnifique, les gars. Bien sûr,
quand j'aurai un PC, je vais encore plus stream que maintenant. Parce que maintenant, je stream avec ma PS4, mais bien sûr, c'est pas la meilleure qualité qui soit, mais en vrai, ça fait le taf. Mais quand j'aurai un PC, les gars, je vais vous dire, je vais charbonner de baiser, les gars. Si l'année prochaine, je perce pas, il y a un petit problème. Mais en tout cas, avec un PC, franchement, ça va aller tellement mieux. Du coup, voilà, j'aimerais faire plus de stream et avoir un PC. Ensuite, comme projet que j'aimerais bien faire, c'est plus de vlogs. Parce que j'ai déjà essayé de faire des vlogs, franchement, je n'arrive pas. Mais dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse des vlogs. Des 24 heures, des vidéos concept, pas que des vidéos gaming. Parce que c'est vrai que je fais des vidéos gaming, des vidéos où je me filme en facecam comme ça, comme en face-to-face, on va dire. J'aimerais aussi faire des vlogs, du coup voilà. J'aimerais bien faire des feats aussi avec d'autres youtubeurs, probablement, ou avec mon entourage. Ça, franchement, je pense que ça peut être vraiment cool. Parce que c'est vrai que quand je suis comme ça en vidéo, je suis pas non plus le plus naturel possible. C'est vrai que j'y travaille encore d'être naturel à la facecam et moins être sérieux, mais quand même. Du coup, voilà. C'est un peu tout pour cette vidéo, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, je vous ai un peu expliqué comment j'ai commencé, avec quel matériel, pourquoi j'ai commencé et dans le futur, qu'est-ce que j'aimerais faire. Du coup, voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu, les gars, à commenter, partager la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et les gars, c'était Myzone pour la vidéo rétrospective. Et les gars, moi, je vous dis tout simplement, tchuss les potes !